et pas seulement John qui était qu'on a à l'écoute Emmanuel Sano. J'ai vu une photo de Aki, moi photo Aki avec Pasteur Sano tout. Et je suis sûr et certain à qui papa non activité comme ça dans le Sano pour pas parler avec Tifrel, son petit frère. C'est vrai que ils ont pas partagé même couleur, c'est vrai qu'ils ont pas semblé, mais ils sont deux frères, peut-être frères d'idéologie, ils ont pas frères de race, ils ont pas frères de sang d'ailleurs, des familles ils ont pas même. Mwen fami sa soti Jamaïque, mwen konn sa Jamaïque ou bien Allemagne, mwen pa konnen kote soti. Est-ce que si monsieur la rencontre avec ça nous, est-ce que il pa parler avec ti frère ou ti frère mon cher, mais ça dit là, mais ça négocie. Juge l'arrivé ma ami. L'instruction est secrète, cependant bon à l'aise avec nous. Juge la gan pile bagay la men. Moi me pense juge tap gentan bien, me pense que pénitencier tap commencé fleuri avec de l'autre couleur, de l'autre classe moun kap rentre là-dedans. Moi me pense automatiquement juge la rentre tap gen bagay ki bel frivé réalisé. Bonne expérience, on va le faire avec nous là. Vous gardez la parole. Maman, Jovenel Moïse, là, dernièrement, vous dites que vous avez une information. Information était chaud. Information était chaud. Et à Souéa, mwen alon ti kras pran on responsabilité a soya. Jovenel Moïse te genye un pile ennemi. Li te genye ennemi nan secteur politique. Li te genye ennemi nan secteur économique. Mais moun ki te nan secteur politique qui était extrêmement acide à l'endroit de Jovenel Moïse, c'est des monde qui étaient gagné des patrons économiques qui tapent bayo bourade. Et l'ont dérangé patron économique là, et même nèg politique là, dit bon jeune gars de bagala, bon jeune comprenez, il dit que lui-même n'est pas perdu avantage qu'il y a à question ça. Est-ce que je vais citer quelques mounes qui te gagne ou dans le secteur politique qui te gagne patron? Non. Et est-ce que je vais citer quelques mounes qui te gagne patron dans le secteur privé? Il y a plusieurs mounes que je connais qui te gagne patron. Et il y a un monde que me connais effectivement que tu gagne des patrons, il y a des sénateurs qui te gagne des boss dans le secteur privé, il y a des députés qui te gagne des boss dans le secteur privé, il y a des nègres qui n'ont politique qui te gagne des boss dans le secteur privé. Kounia, on retourne dans le cas de John Joel Joseph parce que pas gen moun ka parler de John Joel Joseph. Et jodia mwen été étonné et saisi. Pendant ma passe sur Facebook, mwen wè comme monsieur le Assad Volsi qui t'a recevoir Claude Joseph. Assad dit que John Joel Joseph pas gang. Pas nan gang.
nous faisons ça dans pile confiance. Et publiquement, je remercie Assad parce que Assad, c'est un homme qui a contribué pour résoudre le problème de kidnapping 2006. L'Elté dans le palais national, il était un homme qui a initié un chita palais en différents groupes armés dans Cité Soleil avec pouvoir. Qui a bralé quand même un résultat. Mais comme on est Al-Sad, qu'on cite à très bien, et pour que ça a été maîtrisé, gang dans la Cité Soleil, parce qu'il était extrêmement puissant dans le pouvoir préval là, nous, dans l'année 2006, c'est pour que ça, il n'y a pas qu'à dire que John Joel Joseph, pas dans gang Belekou. Parce que fait partie de gang, n'a pas voulu dire qu'il y a des âmes dans le monde. Mais là, pour un ex, c'est lui-même qui fait politique pour Amaral Duclona. Amaral était un puissant chef de gang, Belekou. Et John Joel Joseph était en dedans, Belekou, dans le dos Amaral. On va pas dire qu'il va te la donner. Parce que dans la gang, on va lui dire que la gang, c'est toute une structure qui monte. Et sur qui base John Joel Joseph, t'es Kevin sénateur, c'est parce que Amaral Duclona connaît ça, c'est Pion Pal. Et qui était Amaral Duclona? C'est connu. C'était le boss des boss. En dans Cité Soleil. Et pour ça, ou pas dit, mettez monsieur comme on est qui pat dans gang Amaral Duclona, pas fait. Mon connu une information ça yo. Parce qu'on t'es maîtrisé Cité Soleil pour ça. Ou est publiquement, je dis, moi, remercie. Radio Omega. Parce que vous t'es font travail colossal. Pour t'arriver à casser le niveau d'insécurité qui était gagné dans le pays en 2005-2006, côté que tu as un vaste mouvement de kidnapping qui t'a fait avec plusieurs groupes de gangs qui étaient réunis en Cité Soleil et Belé. John Joel Joseph, son nez qui gagne des boss. Même pas responsabilité pour me parler de John Joel Joseph, c'est parce que cela m'étonne que un gros événement qu'on s'arrive dans le pays, hein, moi, je suis Badjoa, beaucoup plus de publicité, beaucoup plus de marketing que John Joel Joseph. Les Badjoa, monsieur, je fais des émissions spéciales chaque jour presque, c'est toute une série. C'est toute une série avec plusieurs épisodes. Pierre Espérance parlait, épisode 1, épisode 2, épisode 3. Pierre Espérance parlait. Pierre Espérance même expliquait que Martine, le fameux Badjo qu'on conduit pour Martine pour le mener le Kaougan. Comme si pour même le fameux Pierre Espérance, pas qu'on a rien de John Joel Joseph, Pierre. Jouté in dans dossier arrivé là, dans le cafou sur fait silence. Pierre fait silence. Et automatiquement, Pierre fait silence. Gon bon notre média qui fait silence. Parce que ça qui arrivait, que c'était Pierre qui te confourni ou des informations. Est-ce que les John Rivé l'autre boa? N'est pas dit qui est qui te bal. Qui était mal moyen. Parce que vous avez d'accord avec moi. Radio Omega. John qui était parlement en 2015. Janvier 2015. Même les agents Charles Moïse. Même les avec Francky Exigis. Même les avec. Comment est-ce qu'il s'appelle encore Bien-aimé. C'est période ça. John qui était en 2015. Souprend 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, a fait John Patfin trop bon que ça. Mais John a des monde peut-être qui a piloté le cap balmoyen. Même John connaît que l'équipe de Vob, l'équipe de Sogener,
nous avons contribué en pile dans aucun chaîne mouvement côte Petro-Caribéa. Nous avons fait ça, côte Petro-Caribéa. Maillot, manifestation, tu as gagné toute qualité groupe. Mais pour ça, tu as un bon argent qui a poulé. Nous avons le Jovenel Moïse parle de presque 20 millions de dollars. Nous avons débloqué pour nous et puis qui a poulé à terre là pour déjeter Jovenel Moïse. Nèg meté et chadou yo machine musique pour payer tout pour la mayo et mais John Joel Joseph avait le patron. Est-ce que pendant le rivé avant au plan pour prononcer sentence, monsieur, pour condamner monsieur à perpétuité. Est-ce que monsieur Baba a des éléments de formation pour dire à qui est-ce qu'il a gagné des contacts, à qui est-ce qu'il a gagné des liens? Parce que selon l'information que nous avons joint, John C. Ronanek qui brale décidé dit James Solage Radio Miguel mon chien font l'autre route parce que pasteur ça nous campé sous bluff nous même si ça nous pas qu'à faire mouvement m'a fait mouvement parce que nous même nous gain moyen pour ça. Jouer l'information ça quelque part. Si ça nous campé sous bluff li bagay moyen, nous même n'a joine moyen n'a fait baillo. James et prend tout nèg yo en déplacer. Et effectivement, c'est garder ça nous garder le garder le tout nèg yo à déplacer. Emmanuel ça nous il vient perdre du contrôle nèg yo. Et bien James Solage à travers John Joel Joseph débarqué, il prend nèg yo là la veille. Mais quand John devient naja, John devient quoi? Qu'on y a oublié, et pas seulement John qui était qu'on a à l'écoute Emmanuel Sano. J'ai vu une photo de Aki, moi photo Aki avec Pasteur Sano tout. Et je suis sûr et certain, Aki pas non activité comme ça, Balouet Sano. Pour ne pas parler avec Tifrel, son petit frère. C'est vrai que ils n'ont pas partagé même couleur. C'est vrai qu'ils n'ont pas semblé. Mais ils sont deux frères. Peut-être frères d'idéologie. Ils n'ont pas frères de race. Ils n'ont pas frères de sang. D'ailleurs, deux familles n'ont pas même. Donc, famille, ça a sorti Jamaïque, comme ça. Jamais ou bien Allemagne, pas qu'on est côté de soutien. Mais, il s'est dit que Gon Bagay qui fait. Qu'il y a la responsabilité du juge. Juge là, rivé Miami. Yo parlé avec juge là. La nose Pierre Woody lui. Merci. Bon écrit nous. La nose Pierre Woody lui. Mes amis, balagra oui. Balagra, bonne nouvelle. Mes amis, nous préparez nous. D'ici demain, balagra. Radio Omega. Est-ce que si monsieur a l'en rencontre avec ça, nous, est-ce qu'elle peut parler avec Tifria ou de Tifria, mon cher, mais ça dit là, mais ça négocie. Juge l'arrivée, ma amie. L'instruction est secrète, cependant, bon à l'aise avec nous. Juge la grand pile bagaille la main. Même penser
juge à Guetin, bien, on pense que pénitentiaire a commencé à fleurir avec de l'autre couleur, de l'autre classe, monde qui a rentré là-dedans. Nous, on pense automatiquement, juge là, rentré dans le débat, qui va le réaliser. Bonne expérience, on va le faire avec nous là. Et pas toute cabane qui fait même gens. Bon, poser nos questions, parce que moi-même, je ne dois pas attendre ça. Est-ce que dans une interview, Martine Maurice te baye, est-ce que te dit le te rentre en bagabon? Bah, on il y a eu quelques temps et l'esprit a rakakembe. Dis-moi, m'songe te gagne, est-ce que te gagne interview? Et téléphone, m'a gardé là, pour moi, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Te gagne interview? Est-ce que te gagne interview, Martine te baye? Côté que, il dit qu'il était rentré en bas en cabane les nègres t'ont tiré. Est-ce que qu'on interview comme ça? Bon gars téléphone pour moi si me une réponse là. Bon qui dit moi il dit ça. Bon l'autre monde dit moi il dit parler de ça. Bon, il dit, oui, Martin, il dit ça. Il dit, tout le monde n'a pas entré. Bon, il dit, il n'a pas dit ça. Bon, il dit, il était une boîte de gueule seulement. Oui, il dit ça. Ok. Bon, il soulignait que tout le monde n'a pas entré.